Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo haul action. Donc j'ai fait des petites trouvailles dans mon magasin, des petites nouveautés. Du coup, je vous présente ça tout de suite. Je commence par un nettoyant pour la vaisselle, le Sandil au citron, donc du liquide vaisselle, à 69 centimes. Donc celui-là, c'est pas la première fois que je l'achète. Il est très très bien. Et pour le prix, il fait très très bien l'affaire. Ça nettoie bien la vaisselle. Une nouveauté au rayon des bougies, j'ai trouvé cette petite bougie-là de la marque Aroma di Rogito Tropical et c'est celle à la noix de coco. Vous aviez d'autres senteurs en magasin, mais moi celle que j'ai préférée c'est celle-ci. Donc c'est un peu comme celle qu'ils avaient déjà sortie avec les bouchons qui se dévissent comme ça. Elle était à 87 centimes et elle sent la noix de coco vraiment super fort, donc j'espère qu'elle va sentir quand on va l'allumer aussi, que ça va bien diffuser au niveau du parfum. J'ai trouvé qu'elle sentait super bon, du coup j'ai pris celle-ci. Et vous en avez 3-4 autres parfums, je pense qu'ils ont sorti ça pour c'est le printemps ou l'été. Donc super sympa. Ensuite j'ai pris au rayon voiture un car Air Freshener, donc un désodorisant pour voiture à la vanille. Celui-ci, il est en gel et coûtait 79 centimes. Ensuite, j'ai pris ceci au rayon ménager. Donc ça, je pense que c'est une nouveauté. C'était 90 centimes. Et ce sont des grosses éponges, ils disent, pour la graisse. On avait deux à l'intérieur. Donc ils nous disent que ce sont des chiffons éponges avec une forte absorption d'eau et de saleté. 80% de polyester et 20% de polyamide. Donc j'ai eu envie de les tester. On verra ce que ça donne. Apparemment, ça passe à la machine à 40. Donc voilà, c'est des lingettes comme ça réutilisables. Donc je trouve ça très bien plutôt que d'acheter des lingettes jetables. Celles-ci, vous pouvez les nettoyer en machine. Et en plus, c'était pas cher. En promo cette semaine, pour 98 centimes, j'ai pris 3 chiffons microfibres comme ceci. Donc voilà, ça c'est tout simple, il y en a un gris, un bleu clair et un bleu foncé. Donc ce sont des microfibres. Alors là, ils nous disent que ce torchon en microfibre a une structure fine et doux et épais. Cela lui permet d'absorber plus d'humidité et plus vite que d'autres torchons. Ces torchons enlèvent parfaitement la poussière et les résidus de saleté et de graisse sur tout type de matériaux tels que le bois, le plastique, le verre et le cuir. Ils conviennent également à l'époustage avec des détergents de téléviseurs et d'autres équipements audiovisuels ou d'intérieur d'automobile. Le torchon est très absorbant. Il absorbe deux fois plus vite l'humidité que les torchons classiques. Donc voilà, donc 98 centimes les trois. On n'en a jamais assez des petits torchons comme ça pour faire la poussière ou le ménage. Ensuite, j'ai pris pour mon homme un pantalon comme ça, thermopantalon, à 1,99€. Donc voilà, et comme ça il est blanc. Donc ça c'est un pantalon thermique pour mettre sous les vêtements quand il fait froid, ça permet ben, de ne pas avoir froid justement. Donc voilà comment ça se présente, c'est tout simple. Il existe en blanc ou en noir et ils nous disent donc juste que c'est des pantalons thermiques pour adultes, 95% en polyester et 5% de polyastane. Voilà. Comme ceci. Ça c'est pareil chez Decathlon, c'est le triple voire plus du prix. Donc du coup, on les prend chez Action, c'est pas la première fois qu'on les prend, ils sont très bien là-bas et résistent très bien à la machine. En promo cette semaine, mon homme s'est pris un lot de trucs comme ça, à 1,77€. Donc ce sont des lames de scie sauteuse, il y en a 10 à l'intérieur. Et ils nous disent, donc il y en a 2 fois 100 mm pour bois, pour coupe droite. Il y en a, ben c'est tous pour bois, pour coupe droite, pour coupe rapide, pour coupe fine, pour coupe courbée. Il y en a une pour métal en dents fraisées, une autre pour métal en dents fraisées aussi. Donc voilà. Alors ça, c'est des petites lames comme ceci. Là-bas, tout ce qui est pour faire bah, du bricolage, etc., c'est pas cher. Donc là, il y avait ça en promo et il les a pris. Ça ira très bien pour découper des trucs. Ensuite, pour 98 centimes, on a repris des pâtes chauffantes. Alors ça, c'est pas les mêmes que la dernière fois. Il y en a deux à l'intérieur. Ce sont des patchs qui diffusent pendant 12 heures.
pour détente et réchauffement, coller le pad chauffant uniquement sur les sous-vêtements, pas directement sur la peau. Lire le mode d'emploi avant l'utilisation et vous en avez donc deux dedans. Donc, c'est de la marque Life Care. Donc là, on a pris cela. Et pour 99 centimes, on a également repris cela. Donc toujours de la marque Life Care, il y en a 4 dedans. Et là, ce sont des emplâtres chauffants. Et ils nous disent donc que ce sont pour des muscles souples, fatigués, sensibles et tendus, que la capsaïcine issue de la plante Capsicum annuum stimule la circulation sanguine, qui donne un effet chauffant et assouplit les muscles, et qu'il ne faut pas l'utiliser plus de 3 heures de suite. Donc ceux-là, ils sont très bien aussi, du coup, on en a repris un paquet. Ensuite, une nouveauté, j'ai trouvé pour 1,09€ cette bouteille-là. Donc ça, c'est une bouteille d'huile à l'eucalyptus pour mettre dans le bain. Donc ça m'a bien plu parce que en fait c'est un bain à l'eucalyptus. L'huile essentielle d'eucalyptus aide à prendre soin de la peau et est bienfaisante pour les voies respiratoires. Mettez quelques gouttes dans votre bain et ça vous procure un bain agréable et rafraîchissant tout en vous aidant à combattre les rhumes. Moi j'ai surtout pris pour l'odeur, mais après si ça peut aider pour les voies respiratoires et tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal et ça sent super bon, ça sent la menthe. Donc voilà, cette bouteille-là, vous avez 500 ml à l'intérieur et c'était 1,09€. Ça, c'est une nouveauté. Moi, j'avais jamais vu ça avant dans mon action. Du coup, j'ai eu envie de le tester. Je vous en redirai des nouvelles dans mes produits terminés. Ensuite, j'ai pris pour 1,79€ ce gros rouleau de sopalin, donc un XL Paper Towel Roll, donc du sopalin. Vous en avez 100 feuilles à l'intérieur de 3 plis, il fait 30 cm sur, qui font 30 cm sur 25 cm. Donc c'est de l'essuie-tout ultra fort et super absorbant. D'habitude, je prends le classique à 1,06€, vous en avez 4 dedans. Et là, j'ai vu celui-ci, j'ai eu envie de le tester, voir si il était bien ou pas. Donc du coup, on va essayer celui-là et puis on verra ce que ça donne aussi. En tout cas, c'était pas très cher pour un gros rouleau comme ça de sopalin. 1,79€. Ensuite, pour 98 centimes, on a pris un câble stéréo audio, enfin une extension de câble stéréo audio qui fait 3,5 de la marque Maxter. Donc c'est un câble d'extension, voilà, 3,5, connecteur plaqué or pour smartphone, tablette, MP3, iPod, poste audio, ordinateur, télé et stéréo. Donc voilà, il est comme ceci, donc ça, bon, on le testera et puis on verra s'il est bien ou pas. Ensuite, pour 1,99€, une nouveauté également, on a trouvé ceci. Donc ça, ce sont des lunettes anti-lumière bleue. Donc on en entend beaucoup parler dans les pubs, sur les réseaux, etc. Donc là, ils en ont sorti chez Action. Alors je ne sais pas si elles sont aussi efficaces que celles qu'on peut trouver chez les opticiens, mais en tout cas, on a eu envie de les prendre pour essayer. Donc pour 1,99€, ils nous disent que ce sont des lunettes pour protéger les yeux contre la lumière bleue émise par les écrans, donnent plus de repos aux yeux, meilleure vision du lieu de travail, pas d'yeux larmoyants, moins de risques de douleurs de tête et de cou, travail, lecture plus efficace et agréable. Donc elles sont comme ceci. Je vais les ouvrir pour vous les montrer. Voilà ce que ça donne. Voilà, une paire de lunettes classiques. Et voilà ce que ça donne. Donc elles sont, en plus, elles sont plutôt sympas, elles sont neutres, donc ça peut aller à tout le monde. Après, on verra si vraiment elles font leur effet. Là, vous voyez qu'il y a un petit schéma qui vous montre donc, ce que ça fait avec les lunettes, je pense, et sans les lunettes. Voilà. Voilà pour ceci. Donc, si elles sont bien, je pense qu'on en reprendra d'autres paires mais pour toute la famille. Parce que c'est plutôt bien d'avoir des lunettes comme ça. Et en plus, elles ne sont pas chères du tout. 1,99€. Ensuite, pour 1,99€ aussi, on a pris ceci, donc le petit Little Joe. Donc c'est un petit parfum à la vanille qui dure 45 jours pour mettre dans la voiture en forme de petit bonhomme. Donc celui-ci, on l'a déjà utilisé dans d'autres couleurs, donc il sentait sûrement autre chose, je ne me rappelle plus exactement quoi. Mais là, c'est celui à la vanille et ce petit bonhomme-là, moi j'aime bien, ça sent bon dans la voiture. Vous le mettez sur votre aération. Et puis ça s'accroche avec une petite pince. Et puis voilà, ça diffuse pendant 45 jours un parfum de vanille. Donc ça, pareil, au rayon des voitures chez Action.
Toujours au rayon voiture de la marque Dunlop, mon chéri, il a pris ceci. Donc ça, en fait, c'est pour réparer n'importe quel type de vitre. C'était 2,99€. Et ils nous disent que c'est un kit de réparation facile pour vitres, pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur. Une réparation facile en 20 minutes pour toutes les vitres. Et à l'intérieur, vous avez tout le kit en fait pour réparer vos vitres ou votre pare-brise s'il y a un éclat, une petite fissure ou quoi. Tout ça, c'est fait pour réparer. Vous voyez ici, vous avez la voiture, les camions, les caravanes, les camping-cars. Bon, voilà, un petit kit de réparation pour les vitres. Donc ça, c'est pareil, on l'a pas encore testé. On va le tester, puis on vous dira des nouvelles si ça fonctionne ou pas. Ensuite, j'ai pris un lot comme ceci de petites boîtes avec les petits couvercles qui vont avec. Donc c'était 60 centimes la boîte, j'en ai pris une dizaine à peu près. Pareil avec les couvercles du coup, parce que je suis en train de faire du tri et en train de réorganiser la maison. Du coup, j'avais besoin de boîtes comme ceci. Et chez Action, elles sont pas chères du tout. Donc si vous avez besoin de boîtes, allez d'abord voir là-bas avant d'aller voir ailleurs. Et j'ai pris pour terminer une grande boîte comme ceci, enfin j'en ai pris plusieurs d'ailleurs, des boîtes comme ceci, pareil toujours pour réorganiser la maison. Donc celles-ci, elles sont d'une contenance de 12,5 litres, donc elles sont quand même assez grosses. Et pareil, vous avez un petit couvercle qui va avec, vous mettez au-dessus, comme ça. Et ensuite vous venez clipser les côtés et votre boîte elle est fermée pour ranger tout et n'importe quoi. Donc moi je suis en train de réorganiser les vêtements des enfants, les placards, les armoires, etc. Donc du coup j'ai besoin de boîtes comme ça. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous montre comment je peux ranger les vêtements des enfants. J'ai une petite méthode là que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps sur internet qui est assez intéressante. Donc si ça vous dit, je vous montrerai ça en vidéo. Donc celle-ci, elle était à 2,59€ cette boîte-là. Et les autres, les petites, elles étaient à 62 centimes. Voilà pour cette vidéo. J'espère que mes achats vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Salut !